Ce mardi 5 avril à Saint-Cloud, je présenterai deux chevaux, Marrakech Moon dans le Quintet, un cheval qui vient très bien se comporter à ce même niveau à Cagnes-sur-Mer sur la PSF en ayant les œillères pour la première fois, ce qui a très bien fonctionné. On espère que ça fonctionne tout autant cette fois-ci et sur gazon. On espère une piste pas trop assouplie par les pluies prévues, parce que c'est un cheval de PSF bon terrain, voire terrain souple, mais il ne faudrait pas que ça s'alourdisse de plus. Mais en tout cas, voilà, il a tiré le numéro 12 dans les boîtes, ce qui n'est pas un avantage. Mais il sort bien des boîtes, se met vite en course, ne portera que 53,5 au départ de ce quintet, associé à Michael Barzalona. On pense qu'il sera certainement compétitif, affrontant des chevaux ayant moins de marge que lui, peut-être, puisque certains se sont imposés et ont moins de marge au poids. Lui, il cherche certainement sa victoire dans les handicaps, dans sa valeur actuelle. Donc on espère pour mardi, et si c'est pas pour mardi, ce sera certainement pour bientôt, courant du printemps. En tout cas, il est en bonne forme et on espère un bon comportement de sa part. Donc on y va avec de légitimes ambitions. Tout comme dans la deuxième, on présentera Facteur Cheval, un 3 ans inédit qui travaille bien le matin, qui n'est pas forcément facile mentalement, raison pour laquelle il a été castré. Il arrive voilà, en avril de ses 3 ans inédits, face à un lot, bien évidemment, on ne connaît pas trop le niveau des concurrents dans ces courses inédites, mais on a vu Nikovo s'imposer dans une course à face sec de belle manière. Donc, il doit y avoir un lot plutôt correct au départ de ce Médan clodoaldien. Donc, ce sera une bonne course pour pouvoir le juger d'emblée. C'est un cheval qui est assez émotif, donc j'espère qu'il sera bien calme et qu'il sera assez serein pour donner le meilleur de lui-même. En tout cas, il a toujours bien travaillé et on y va avec voilà, de bonnes ambitions. C'est un beau tracé que les 1600 mètres de Saint-Cloud pour débuter. Il sera associé à Gérald Mossé, il a tiré la corde de 4. Donc tous les feux sont au vert le concernant pour une bonne première leçon dans une course avec certainement de vrais chevaux de course. Donc ça va être très intéressant de pouvoir le juger ce mardi à Saint-Cloud pour sa première.